Oh Kolo, elo konini eko kabolangai na yo. Nosito laki komo na yo lokole lembo. Etumba ezali, kasi yo zali bulongi. Ma pamboli eko silate, o yo zali na ngambo na biso. Yonde mokonzi, yonde mobikisi. Toki olobi, nini bo mikobika. Ma belle bakobika, ma kangeli bakokangwama, et le kumu, il faut zonga na yo, pour le Yesu. Amen. Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes ici encore à Dagnes International Airport pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti était parti à Montréal, à Dallas. Il est maintenant de retour. Il y a une atmosphère de joie. Les enfants de Charlotte en train d'accueillir leur ancien, leur papa, leur pasteur. Qui est l'omnipotent, l'omniprésent? Qui est le qui est l'omniscient, la haute sagesse? Qui est la haute sagesse est plus que Salomon. Nous attendons maintenant l'arrivée de la limousine. Le pasteur Barot est assis et nous allons partir à l'église. Nous voyons le pasteur Atapis, on peut lui demander ses impressions. Bonsoir, pasteur Atapis. Bonsoir, frère Samuel.
Révérend, le pasteur Barot vous avait laissé pour un petit voyage à Montréal et à Dallas. Maintenant, il est de retour. Quels sont vos sentiments? Eh bien, je suis très heureux, je suis très content de recevoir ce grand homme de Dieu. Il était ici, il est parti pour faire une tournée ici en Amérique. Alors, il est rentré avec des trophées. Je suis très, très heureux alors de le recevoir. Pasteur, c'est comme si son voyage ici en Amérique, il a fait beaucoup de temps en dehors de Charlotte. Pourquoi ça? Non, le problème c'est qu'il était parti pour faire du travail là où il devait beaucoup travailler, là où les âmes de Dieu, les âmes des enfants de Dieu l'appelaient vraiment. Alors il était parti pour faire du travail et maintenant il est rentré pour se reposer. Bon, merci beaucoup pasteur et bonne soirée. Merci beaucoup, Écho de Charlotte. Dieu vous bénisse. Amen, qui bénisse aussi. Hey, hey, hey.
Nakaka samba wen bulumi. Hey hey hey. Tobele mili boso na yongolo, masi ya Jesus. Amen. Ko bonje la yombe kaya malasi kitoko. Nous avons encore reçu chez vous à la maison par moyen de l'internet. Aujourd'hui, l'Assemblée chrétienne de Charlotte va organiser une fête en l'honneur du pasteur Baruti. Nous attendons maintenant l'arrivée de la limousine et vous allez voir comment les préparatifs et ce qui se passe ici à Charlotte parce que l'atmosphère est déjà bénie, l'atmosphère est déjà une atmosphère de joie. Et je vais vous annoncer que nous serons là pour toute la fête. Et comme vous voyez là, c'est la limousine qui fait maintenant son entrée dans l'avenue pour venir prendre le révérend Baruti Kasongo. Yes, on longoli yo nasuka
akomisio liboso elongo na bana nzambe toyebela ye elongo na basantu nyonso tobinela yesu o masiyanza na bomo yesu ngongongo totomboli mingongo Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Santo nyonso dokumisa Yesu Amen Elongo na baye nyonso tobele la ye Gobe tamilo lo makase Gobe tamilo lo makase Totongoli mingongo Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Totomboli mingongo, Ebotele mela, buya na Yesu. Ando kinyonso ya kufa, bakwe isami, liboso na ye. Maladi nyonso ya kufa, yekwe isami, liboso na ye. Nankongo na Yesu, sida ebikiye. Oh, nankongo na Yesu. Cancer est vigué dans Congo, dans Yesu. Il combat bambotier. Tango totombo ni mingongo. Totombo ni mingongo. Totato la Yesu a sala bongo. Totombo ni mingongo. Totombo ni mingongo. Totato la Yesu a sala bongo. Totombo ni mingongo. Amen. Elongo na basantu nyonso tobinela Yesu. Amen. Elongo na baye nyonso tobelela ye. Tobeta milolo makasi. Tobeta milolo makasi. Tobeta milolo makasi. Tobeta milolo milolo. Toganga lisusu makasi.
les sœurs s'étaient dépassées et se sont dépassées, Seigneur, pour qu'elles fassent ce miracle. Et aujourd'hui, nous allons tous communier ensemble autour de cette nourriture, autour de cette arbre. Bénis cette communion fraternelle. Yes, Lord. C'est un au revoir qu'il me donne, mais je sais que nous reviendrons. Amen. Si cela est ta volonté. Bénis la nourriture, bénis toutes les sœurs qui ont travaillé pour que nous puissions manger aujourd'hui. Amen. Et bénis aussi la source, amen, le moyen, l'argent, et que cette église ne manque rien. Amen. Bénis chacun d'eux spirituellement et financièrement. Bénis la nourriture. Au nom de Jésus-Christ, nous mangeons. Amen. 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 Praise the Lord. Non, non. Là, ça va, j'ai fini. Ok. Vous donnez beaucoup de travail à notre pasteur. Non, ça va. Moi, je vais l'aider. Non, pas ça. Bonne fête à vous tous. Ah, frère Eli voulait m'aider. Je lui ai dit aussi, moi, la Bible, papa. Bon, maintenant, la fête va commencer. Je crois que vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? On va mettre la musique. Et pendant ce temps-là, je crois que la nourriture est déjà préparée. Aujourd'hui, c'est le dimanche, nous venons de l'église. Certainement que vous êtes un peu fatigués aussi. Et surtout, papa nous a prêché très bien aujourd'hui. Vous avez aimé la prédication? Alors, nous voulons qu'on puisse d'abord les servir. Et après, papa, je crois que nous avons certainement nos sœurs qui vont travailler comme des protocoles. Et elles vont nous aider pour que nous puissions aller nous servir, nous tous. Il y a beaucoup de nourriture. Et n'enviez pas ce que moi j'ai ici. L'envie, c'est un esprit mauvais. Amen. Il y a plein de nourriture là-bas. Chacun va manger à sa faim. Et je crois, nous allons manger, nous allons boire, nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Et je crois qu'après cela, nous allons nous séparer. Alors, on va mettre la musique. On va commencer par papa et maman Barouti. Et après cela, je crois, quand ils vont se lever, nous allons vraiment applaudir le Seigneur pour cet héros. Pour nous, il est un héros. Acclamez très fort, papa et maman. Ils vont aller se déplacer pour faire la nourriture. Yeah.
na yo Dosito la ti komo na yo lokole lembo Etumba ezali kasi yo zali bolongi Ma pamboli ekosila te Oyo zali na ngambo na biso Yo nde mokonzi Yo nde mobikisi Toki olobi Nini bomi kobika Babeli bakobika Bakangemi bakokangwama Pe lokumu ekozonga na yo Olo Yesu Amen
Dieu bénisse nos frères, nos sœurs qui est connecté ce micro Écho de Charlotte. Je suis votre sœur, la sœur Sharon Menga. Ouais, nous sommes ici, nous voyons une grande ambiance. C'est la fête de Révérend Baruch Tikasomo, qui est le père de Charlotte Chrétien Ensemble. Maintenant, il va faire sa sortie. Nous voyons comment est-ce qu'il va sortir alors. Dieu bénisse Papa Baruti. Amen. Après cette grande surprise, nous voulons vous demander quelles sont vos impressions pour tous. Mes impressions sont très bonnes. Je suis vraiment ravi de joie. Okay. Papa Baruti, je voulais poser une question. Nous avons remarqué partout là où vous partez, nous avons vu des photos, mais à Charlotte, vous êtes toujours souriant, toujours joyeux. Alors nous voulons vous poser, quel est le secret de Charlotte pour vous rendre toujours si joyeux? Mais parce que Charlotte est le dernier carré. Et quand on arrive au dernier carré, nous voyons l'amour que Charlotte manifeste à mon endroit. Je ne peux avoir que la joie que j'ai. Merci. Merci papa. La dernière question, nous voulons demander, après avoir vu ce que les jeunes de l'ensemble chrétien de Charlotte a fait pour vous, qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous voulons vous poser la question. Et j'attends de vous que le réveil ne s'arrête pas, que le feu du réveil continue et que vous puissiez continuer à prier comme vous priez et aussi à soutenir notre bien-aimé pasteur Atapis Ngiamba. Soyez derrière lui dans tout ce qu'il fait. Mon conseil, c'est que vous soyez toujours ce que vous êtes, même plus. Que ça soit un réveil avec un plus, que ça s'augmente même. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Révérend Tapis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Pasteur, vous êtes la tête derrière tout ceci. La fête, quelles sont vos impressions après cette fête ici? Je suis très heureux, la fête s'est très bien passée. Les enfants de Dieu, ils se sont dépassés pour que la fête puisse être vraiment en couleur. Et la fête s'est très bien déroulée. Et le cœur de notre pasteur est rempli de joie. Et nous sommes très flattés de voir combien le serviteur de Dieu est content. Et nous savons que Dieu aussi est content. Et que Dieu va nous bénir. Oui. C'est ça mes impressions. Oui, révérend, nous avons vu l'unité parmi les jeunes. Et nous ne pouvons pas, ça m'a parti comme ça, sans vous demander comment vous avez fait pour réunir tous les jeunes unis. Le Saint-Esprit, frère, quand le réveil est là, ça apporte l'unité, ça chasse les critiques, ça chasse la haine, la division, les indifférences. Donc le réveil, c'est le secret de l'unité que vous voyez. Sharon, tu as quelque chose à demander au pasteur Tapis? Juste une petite question, pasteur. Je voulais demander, quel est votre secret pour rendre un grand serviteur comme le pasteur Baruti toujours heureux quand il est ici à Charlotte? C'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est dans le cœur du pasteur Baruti, il vient aussi vous inspirer des choses pour faire pour réjouir le cœur du pasteur Baruti. C'est ça le secret. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend. Merci. Il y a un seul mot, la joie. Je suis très contente pour la petite fête qu'on vient de faire. Bon, c'est grand, ouais. Pour notre cher pasteur, le pasteur Baruti, j'ai vraiment la joie dans mon cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui rejettent un ministère pareil? Bon, c'est pitoyable, puis c'est regrettable et c'est aussi douloureux. Et en même temps, nous en profitons. Quand ils rejettent, nous en profitons pour avoir toutes les bénédictions. Donc, nous regrettons pour eux, mais c'est une malédiction. Parce que de toute façon, nous allons prendre et leur bénédiction. Et notre bénédiction, et ça sera du pompe. Donc, ce que je peux dire, que c'est un don que nous devons soutenir au lieu de rejeter. C'est ça. Merci beaucoup. Oh, de rien. Bonsoir, frère. Mon frère, nous voyons en train de danser après la fête, une grande fête du révérend pasteur Baruti. Quelles sont vos impressions? Vraiment, mes impressions sont celles de la joie. Comme vous le voyez, vous pouvez remarquer que l'ambiance est totale. Nous avons fêté pour donner
un au revoir à notre papa, notre vrai papa, alors le pasteur Baroutika Songo, et notre chère maman, maman Alfossi. Et voilà, après ça, donc, on est dépassé, les émotions nous dépassent, on est à la joie parce que nous savons que nous sommes restés avec la bénédiction. Voilà. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Après la fête, après cette grande fête du révérend Barouti, nous vous voyons ici en joie. Quelles sont vos impressions? Oh, je suis très content d'être ensemble avec le pasteur Barouti à cette salle de fête. Je suis très content vraiment. Je vois l'unité, l'unité vraiment de l'Assemblée Catholique Charlotte. Comment se fait-il? Cette unité n'est pas vraiment expliquée. Vous-même, vous pouvez voir même dans les images, nous sommes unis. Entre nous, il n'y a pas de division. Nous voulons toujours être derrière le pasteur, comme nous sommes en train de suivre cette chanson. Nous voulons être derrière le révérend Barouti, parce qu'en dehors de lui, nous n'avons pas quelqu'un d'autre et nous pouvons suivre. Charlotte, tu as quelque chose à demander à notre père? Je peux juste poser, vous avez honoré un homme comme le pasteur Barouti. Alors je veux vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du pasteur Barouti? Qui il est pour vous? Oh, le pasteur Barouti, c'est un grand homme de Dieu que nous devons beaucoup de respect. Alors, être derrière lui, nous avons besoin d'être bénis. Comme Dieu l'avait promis qu'il sera béni, et Dieu l'a béni. Nous voulons suivre ses dons pour que nous puissions aussi profiter derrière lui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui le rejettent? Rejeter le pasteur Barouti, c'est rejeter Dieu. Si vous êtes antichrist, vous pouvez le rejeter. Mais nous ne serons pas fatigués, nous allons le suivre derrière. Nous sommes derrière lui. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Bien-aimé, vous venez d'organiser une grande fête, une fête au revoir pour le révérend Barouti. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont les impressions de joie. Je suis très content que le pasteur Barouti soit satisfait. Le pasteur Barouti est satisfait, il nous a dit qu'il est satisfait et Dieu est descendu pour agréer ça. Vous avez vu, il y a une colonne de feu qui est sortie ici. C'est pour montrer que Dieu était là, Dieu était au rendez-vous. Ici à Charlotte, Dieu descend. Au fait d'anniversaire, au fait de revoir, à l'église, n'en parlons même pas, il descend. Donc, la colonne de feu qui est descendue pour agréer l'église de Charlotte, la fête qu'on a organisée et son serviteur, le pasteur Barouti. Nous avons un bien-aimé ici. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Bien-aimé, pouvez-vous vous présenter chez nos chers téléspectateurs? Oui, moi, c'est le frère Grasse, juste un chrétien fidèle dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Frère Grasse, vous venez d'organiser une grande fête, une fête au revoir pour le révérend Barouti. Il était content, il y a eu même une présence divine. Quelles sont vos impressions? Vraiment, c'était wonderful en anglais, merveilleux en français, kitorumakasi en lingala. Donc c'était tellement bon que même nos cœurs sont remplis de joie jusqu'à ces moments. Donc, nous avons été vraiment bénis d'être avec notre pasteur, le pasteur Barouti Kassouroulola, parmi nous. Et réellement, c'était vraiment merveilleux. Nous sommes tellement dans la joie et nous croyons que ceci vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. C'est pourquoi la joie ne cesse de nous quitter. Donc, nous avons commencé dans la joie et nous continuons dans la joie. Nous terminons même dans la joie. Donc, c'était vraiment merveilleux. Nous disons merci beaucoup. Merci à notre pasteur, le pasteur Chamga, avec cette idée merveilleuse. Donc, nous sommes un peuple béni. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, bien-aimé, je sais que vous êtes aussi un produit du ministère du pasteur Barouti. Vous avez été guéri par la prière du révérend Barouti. Est-ce que vous pouvez un peu parler cela à nos chers téléspectateurs, surtout aux gens qui sont en train de critiquer le révérend Barouti, de ce don divin qu'il a? Ah, mais vraiment, c'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, je dirais que tout le monde ne peut pas, c'est pas donné à tout le monde de reconnaître le don, tu vois un peu. Donc, nous qui avons reconnu le don, nous disons merci Seigneur, nous disons gloire à Dieu parce que nous avons été attentifs à entendre la voix et à comprendre la voix. Donc, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Moi, je t'ai guéri par cet homme, il a fait vraiment quelque chose de très grand. Il a vraiment fait quelque chose de très grand. C'est pourquoi nous qui sommes là, nous devons toujours être derrière cet homme. Yes, sir. You have organized a party for Reverend Barouti. Yeah. Reverend Barouti has been criticized, saying that he's not a man of God and he's went through so many battles. What can you say about that? Well, who is a man of God? And what's the criteria for us to really measure
that a man is a man of God? That's a question I can ask back to you. They're saying that he does not know the word, he's just focusing on miracles. Well, if you know, the prophet defines a preacher as a person that can demonstrate the power of God. He can take the word of God and place it in the hearts of the people of God, and then after that, he can demonstrate the power of God. So, as long as we see the power of God in this man ministry, I personally believe is a man called by God. Do you have an impact of his ministry in your life? Sure, sure. I believe I am one of the witnesses of his ministry. And seeing the level that I am today of a man that can pray, a man that can seek the presence of God and bring my family united behind his ministry and in obedience to the word of God, that's the real impact, that I can have the fear of God in my heart. We thank you, sir, for your time. Thank you. Thank you. God bless you. Amen. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Vous venez d'organiser une grande fête pour le révérend Barouti. En sauté, c'est aussi un signe d'au revoir. Vous êtes en train de dire au revoir, ce révérend Barouti. Quelles sont vos impressions après cette grande fête? Mes impressions, vraiment, sont que... J'étais très contente. Et voir qu'on a reçu ces grands hommes de Dieu, chose plus grande, en tirant même les photos, papa, il y a eu la colonne de feu. Pour voir combien Dieu est bon, il est grand. Je suis vraiment très, très contente. Parce que c'est quelque chose que j'attendais aussi voir. Qu'un jour qu'on tire comme ça, la colonne de feu aussi sort quand il est ici. Et que je voie ça. Mes impressions sont vraiment positives. Et surtout qu'ici, dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte, et avec notre pasteur Shamga, pasteur Tapissi, vraiment, la façon dont il organise aussi les choses, c'est vraiment impressionnant. Et ça fait vraiment la joie. Amen.